Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kersten, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olympe, pour le troisième scénario avec la guerre de Troie, le camp de Zeus. Donc, j'ai fait une petite. Je pensais avoir enregistré mon épisode, mais en fait, là, je l'ai commencé un peu, donc ça vous fera un petit peu avancer. Du coup, on a trois objectifs à faire, donc à Pergame, qui est une ville colonie grecque en Asie mineure. Nous devons bâtir le sanctuaire en hommage d'Athéna, un autre en hommage de Zeus, et 2000 habitants à acquérir dans la cité, enfin, qu'il y ait une population de 2000 habitants. Donc ça devrait être faisable, mais je pense qu'il va y avoir des difficultés. Et auparavant, j'ai eu une attaque d'Aphrodite. Donc je pense que 4 dieux troyens vont nous attaquer, et ça va nous faire très mal. Alors, du coup, je commence par bâtir tout de suite le sanctuaire en l'honneur d'Athéna. Que je vais mettre. Où je vais le mettre, c'est la question. Parce que ce sanctuaire est cool parce qu'on peut obtenir de l'huile d'olive. Ouais, je peux le placer là. Ou là. Non, je vais le mettre ici. Comme ça, là, je mets la guilde des artisans pas loin. Alors, combien de blocs de marbre? 55, ça, on les a. Pour le moment, on va continuer d'accumuler le marbre pour le prochain sanctuaire, à savoir celui de Zeus. On a une guilde qui est prête, c'est ça c'est cool. Je vais également préparer un podium pour évoluer les propriétés en comment ça s'appelle? En appartement. Donc là je vais mettre le collège là, bon c'est pas optimisé sur le papier, mais dans l'idée ça passe. Il nous reste combien de fermes à bâtir là? On va en bâtir une ou deux si on peut, dès que tous les moutons seront partis. Allez, voilà, merci. Célébrez-moi. On va aussi bâtir un sanctuaire et des vous n'avez jamais à Phaistos, on a craindre trop. le feu. Je pense que ça peut être un bon plan. On a les appartements, ça c'est bien. Il est temps de construire les fonderies. Donc je vais en mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et je vais mettre un entrepôt pour du bronze et l'autre pour des sculptures. Ce qui me semble plutôt pas mal. N'oublions pas aussi de faire un barrage routier. Donc est-ce que ça se voit? Normalement, il y a un accès comme ça. Ouais, ça passe, ça va. Je vais également mettre un barrage routier ici. Voilà. On manque d'habitants. Et ben vous savez quoi? Je vais. Ah, je peux pas augmenter les salaires, c'est con ça. Il me faut pas enlever ma faussesse, ça tombe bien. Ah non, non, il y a trop de laine là, monsieur. Je vais vraiment en vendre. J'ai même pas eu le temps de faire ma truc. Hop. Tout sauf bronze et tout sauf sculpture. Voilà. On va se refaire un peu de sous, le marbre. Enfin, le bronze devrait arriver. Célébrez-moi et vous n'aurez jamais à craindre le feu. Ok. Donc on va faire deux ateliers de sculpture. On va en mettre là, tiens. C'est pas optique hein, sur le papier, je sais, mais ça peut être pas mal comme ça. Plus on aura de sculpture rapidement, mieux ce sera. Et chevaux de laine pour Salamis, Drag. Vous êtes pas chiant, hein. Donc j'ai perdu 20 000. Là, les premières sculptures vont arriver chez Athéna. Enfin, pour le sanctuaire d'Athéna, dans l'idée. Là, je vais le bâtir un peu tout simplement pour avoir l'huile d'olive accéder au niveau supérieur. Mais je peux pas avoir les trucs d'industrie. Un monde de douleur vous attend, misérable. Super. Apprenez à ne pas me provoquer. Des Amazones en prime. Et il y a plus qui passe aujourd'hui. Oh.
Athénès. Oh, on n'a plus de palais, ça c'est pas cool. J'ai plus d'agora, on n'a plus rien, bah, merci. Non mais les maisons là faut arrêter les sables. Là elle est vraiment dégueulasse Artemis. Ok, bon on a tout perdu, il n'y a plus qu'à tout refaire. Voilà, je crois qu'on ne saurait pas plus cette maison est simple, mais en fait, les dieux sont des grands connards. Ça a été violent. Hein. Voilà. Épicière. Marchand de laine. Et marchand d'huile. Le palais. Pas de pierre, pas de palais, bien sûr, hein, c'est reconnu. Et là, je mets de l'huile d'olive parce que je me dis que c'est vrai qu'on en a. Car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Là, je vais faire quelque chose. Je vais mettre un monument à la population. Pour que tout le monde évolue. Monument à la victoire ici. Donc là, il nous reste quelques sculptures. Allez, maintenant 3 qui se jouent à la fête. On va mettre le théâtre tout de suite. Et on va faire l'école de théâtre. On va la mettre là, je pense. Là, ça va être suffisant. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Et voilà, très beau quartier. On va avoir les 2000 habitants, je pense, pour sauver la production de nourriture. C'est tout pile, hein, mais bon. Je vais quand même rajouter des fermes dans le doute. Deux fermes de plus, ça devrait suffire, je pense. Il va nous falloir des métairies. La ferme de tunnel est achevée, ça c'est cool. Et si je faisais moitié olive et moitié huile, ouais, ça pourrait être marrant. Et tu mets quelques pressoirs, t'en mets 4. Ouais, mais il faut les placer aussi maintenant. Voilà. Là, on va optimiser notre industrie comme ça. Tu rajoutes une maintenance là. Et voilà, ça devrait suffire. Oh mon dieu, une drague. Non, là, je suis désolé, j'en ai besoin. On va tout de suite bâtir un sanctuaire en image d'Héphaïstos. On va le bâtir où? Pas que je sais pas, mais je sais pas, en fait. Là, ça serait pas optimisé, dans l'idée. On va le mettre là, allez. Près des falaises, ça lui donnera un petit peu de cachet. Bon, maintenant qu'on a Athéna aussi, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir la cité de protéger. Ah non, c'était pas le bon fichier écrasé, mais ouais. C'était Odys 3. Bon, après, il reste plus que le sanctuaire de Zeus à obtenir, hein, mais ça va être le plus long. On a 19% de chômage, ça va. Et je vais redemander un don à Athéna. Ah. Elle veut pas nous aider. Mais madame, qu'est-ce que c'est que ce beans? Et au pire, on va faire 2, 3, 4 métairies, là, ça va suffire. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Si tu me dis, mais faut le prouver. Il nous reste 15% de chômage. On va les garder pour les sanctuaires. C'était pourquoi les sanctuaires, c'était pour du bois. Les tapes ne nous vendaient pas du bois, moi, non. Bon, on va leur demander comment on fait du commerce avec eux. Demander planches de bois. Et c'est tout, je crois. Non, non, il n'y a que qui nous vendent du bois. Ah, ça va être problématique, ça. Bon. On va en acheter quand même, hein, mais... Au moment de marbre, on en a assez, on en arrête. Le sanctuaire de Phaistos, c'est bonus. Hein. Il faut combien de sculptures, en fait? Le bois, c'est 12, ok. Donc là, le sanctuaire de Zeus, on va le foutre ici.
Oula, tiens. Et bon, avec la protection de la tenue, ça devient. Ah. Oui, il ne faut plus converser avec moi. Tiens, non. C'est curieux, ça. On va faire un don de bronze, mais bon. Ah, la cité mère est ta mère. Ah ah. C'est pas bon ça. Là le marbre arrive, c'est cool. Misérable, oh, vous m'avez mis en colère. Athéna, si tu peux bien bouger s'il te plaît. C'est pas que. On craint rien, mais on craint quelque chose. Non mais... Car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Bon, au moins on a limité les dégâts. Les 4 là ils tournent à plein régime. Ils ont détruit encore des maisons. Oh non mais... Sérieusement quoi. Ouais, tout le monde va revenir. Ça devrait le faire. Ah, le sanctuaire est terminé, ouais. Célébrez-moi. Peut-être car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Ok. Et bien, on est parti pour le bastion de Zeus. Le dernier sanctuaire. Aucun objectif de populace. Maintenant, c'est le problème, c'est le marbre. Hop, 8 de plus. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai voulu faire beaucoup de réserves. Et à mon avis, la deuxième colonie, ça va être pas mal non plus. Du marbre. Et du marbre. Ah non, je peux rien demander. Bon, un petit peu de don de laine. Et une fois le plus de marques possible de toute façon. Et allez, trop qui continue. On leur demande du marbre parce que là c'est la priorité. Célébrez-moi, car aucun autre dieu ne vous apportera autant de satisfaction que moi. Qu'est-ce qui se passe ici encore? Non mais il y a de l'eau les gars, faut arrêter l'abus. Là faut arrêter de se moquer des gens. Il y a de l'eau. Bon, on va prendre les blocs de marbre qu'on nous donne. Allez hop. Ça c'est vraiment... Les fontaines, je comprends pas des fois. Il y a tous les accès qui sont mis. Bah non, ça suffit pas. Allez, c'est parti. Le dernier sanctuaire en hommage de Zeus. Et tout le monde sera content. Voilà, hop, tac. S'il vous plaît. Amenez-nous le marbre. On a combien de planches de bois là? Il nous en faudra. Bon, ça va trop faire des petites invasions, ça passe. Je pense qu'avec un peu de chance, on va terminer le scénario en une session. Est-ce qu'on a assez de nourriture ici? Oui, 2500 pour 2100. Phaistos là, il va être content. Par contre là j'essaie de me refaire un peu d'argent vu qu'on peut acheter de vendre de la laine et ben, on va en vendre un peu à Salamine notamment. On va mettre le carton un peu de commerce ici, qu'est-ce que ça coûte. Un petit peu de vente de laine, ça fera du bien. Très très bien. Non, bah, plus mal, quoi. Non, bah, on a la scorte.
du marbre. Et encore du marbre. Ah bah non, on peut pas. Bon. C'est un peu long le marbre à venir, messieurs. Faudrait pas pousser le bouchon un peu trop loin non plus. Ah bah oui, si j'en achète pas ça, comment voulez-vous que je m'en sorte aussi? On a 32 blocs de main qui devraient arriver en plus. Ah, je suis sûr que je peux augmenter les taxes. Hein. Cette cité est la plus agréable de tout. Et son chef est le plus brillant. Je vais pas trop les taxer non plus, mais bon. Et mais c'est pas trop le choix. Ah non, les armes, je peux pas, désolé. Du sanctuaire de Zeus, là c'est bon, on peut pas bâtir d'armée, je suppose, bah non. Et si on faisait des quelques armements? Ça mange pas de pain, j'ai envie de dire. Alors t'en remets 3. Admettons, on en met 3 là. Voilà. Derrière. Hop. Et dans l'industrie, je peux pas augmenter les besoins, quoi, vous voyez. Alors, c'est parti. On peut rien demander, ouais. Parce que si on vend des armements à une cité mère, ça pourrait être pas mal, hein. Le bois, on arrête ici, on n'a plus besoin. Plus de marbre, s'il vous plaît, merci. Pour avoir du marbre en plus. Misérable, vous m'avez mis en colère. Apollon qui revient. Téna, il y a Apollon. T'en as rien à foutre en fait. Un monde de douleur. Oh, vous concertez une en même temps. Oh, fou. Oh. Punaise. Les deux jumeaux en plus, hein. Bon, un, ça va, mais deux, c'est plus compliqué. Voilà, et on n'a pas eu de maintenance ici. Bon, ça, il n'y a que ça qui a été détruit. Et c'est déjà suffisant. Vous m'avez provoqué, misérable. Préparez-vous à croiser le fer avec Arès. Ouais. C'est ça, quoi, si vous rentrez chez vous. Honnêtement, merci Athéna. Si Athéna n'avait pas été là, ça aurait été très compliqué. Eh bah tu sais quoi, on va continuer de bâtir là. Ouh, c'est quoi tout ce qu'on m'embarque là? Alors là c'est vraiment le scénario le plus pénible. Bon, on va faire des trucs pour là. On va vendre de l'armement. Voilà. On va tout vider. On va accepter que l'armement. Voilà. Bon, là où je vais passer pour faire le tenir, c'est tout quoi. Moi je me demande si la prochaine fois je testerai pas de mettre le sanctuaire de la tenue devant. Comme ça je serai tranquille. Y'a personne qui achète de la sculpture. C'est une blague. À part 3, mais bon. Mais lol quoi. Bon, on a déjà 22 sculptures, et on a déjà 10 sculptures de prêtre sur les 22. Ça devrait être pas mal, quoi.
Je pense pas qu'il y ait d'autres grosses attaques normalement. Allez, 3 qui remet une couche. Voilà, on subit un peu le jeu, mais bon, c'est comme ça. Hop. Ok. Je pense que je vais réduire un petit peu la cadre de fonderie, j'ai envie de faire deux. Voilà. Allez, visée chevaline supplémentaire. Attends quoi? Pourquoi il y a des loups qui attaquent là? Bon là ils sont en train de terminer, là l'artiste est en train de terminer la dernière dalle. Bon, c'est pas mal, là ça se tient là, c'est un peu compliqué mais... Plus de marbre encore carré, ça c'est bien. On en a fait le plus dur, je pense. Et là, on va bâtir le temple. Donc là, on va prendre tout le marbre qu'on peut et on va le foutre. Avec le bois, bien sûr. Sans oublier qu'on a 22 sculptures installées, je rappelle. Ok. Allez. 20-30, on a 35 blocs de marbre, c'est plutôt bon. On a le sanctuaire des Phaistos là-bas, ça fonctionne bien. Le temple est terminé, les premières sculptures vont être installées. J'arrête l'achat de marbre, j'en ai plus besoin. Les sculptures arrivent progressivement. Attends, après je pourrais faire ça en vrai, pour gagner un peu de temps. Ça nous évitera de faire un truc inutile là. Voilà. Très très bien. Donc là les premières sculptures arrivent. C'est plutôt cool. Par contre c'est dommage que je peux pas augmenter les taxes là, genre, enfin les salaires, comme ça j'aurais pu augmenter la sans trop abuser les impôts quoi. Bon c'est bien, on commence à revenir un petit peu dans nos frais, c'est aussi le plus important de cette mission. Voilà, donc là les deux, vous voyez tout se passe bien, les 100 statues des dieux apparaissent, il nous en faut encore 8. Je pense que je vais accélérer un petit peu la construction, je vais mettre une deuxième guide ici. Ah bah non, ça marche pas parce qu'elle n'a pas accès à la route. Tu sais quoi, les deux guides, on va les déplacer. Hop, voilà. Comme ça, on aura plus vite les statues et l'autre, la mission sera vite terminée. Voilà. Allez, plus de sculptures là. On commence à se vider. Bon, vous voyez, l'économie commence à remonter. Si on arrive aux 50 000, ce serait parfait. Misérable, ouais, vous m'avez mis en colère. Non, on est pas dans le brin. Athéna. Merci Athéna. Bon, honnêtement, nous sauve la mise hein, dans cette partie. Deux autres sculptures. Là, il nous en reste une d'un côté et de l'autre côté là-bas, ouais. Par contre, j'ai essayé de faire un truc. C'est peut-être bâtard, mais j'ai demandé des drachmes. Étant donné qu'on est de bons alliés, autant en profiter, j'ai envie de dire. On va voir ceux qui vont nous aider. Et ceux qui vont nous dire de nous démerder. Bon. Je fais la manche, hein, mais... Normalement, ça devrait être bon.
Ok. Voilà. 1200 drachmes supplémentaires, c'est pas mal. Donc, on est remonté quasiment à la trésorerie initiale qu'on avait. Hop, je mets en pause. Je vire ça et j'enregistre pour Odys 3. Normalement, on a réussi notre mission. Je vais acheter du marbre. De nombreuses cités en Ionie ont remarqué le superbe sanctuaire de Pergame dédié à Zeus. Ascanias, qui souhaite adorer le plus puissant de tous les dieux, a manifesté le souhait de devenir votre sujette. Parmi ces soldats, beaucoup ont renoncé à leur carrière militaire pour adorer Zeus. Du coup, voilà, c'est la fin de cette mission. Donc, elle était un peu compliquée avec l'apparition des différents dieux. Donc, je suis désolé, vous n'avez pas eu la narration du début, donc c'est normal. Hein, je suis le premier fautif. Mais bon, au moins, on avance un petit peu. Et du coup, voilà. Je vais vous laisser là pour cette mission 3. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre les différentes vidéos qui vont sortir et les publications. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description, financièrement ou moralement. Voilà, je vous dis à la prochaine, les amis, c'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.